Bonjour. 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 Bienvenue. Merci. Merci. Auriez-vous la gentillesse de vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Nadia, j'ai 21 ans. Ok. Je m'appelle Dakota et j'en ai 27. Première question indiscrète, est-ce que vous êtes ensemble? Vous êtes un couple? Non. Non. D'accord. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Ça fait 4 ans. 4 ans, oui. Que faites-vous dans la vie, cher Dakota? Je travaille comme dessinateur pour une entreprise d'architecture. Ok, cool. T'es pas sûr de ce que tu fais dans la vie, c'est sympa. Et vous, Nadia? Moi, je travaille en hôtellerie et restauration. D'accord, ok, excellent. Qu'est-ce que vous faites ensemble? On danse. Cool. On danse, ouais. Comment s'est formé ce couple de danseurs? Ouais. Nadia prenait des cours dans l'école de danse que j'ai montée avec un ami. Ok, très bien. Et donc, toi, tu as suivi les cours de Dakota? Oui, exactement. Okay. On s'est rencontrés il y a 4-5 ans à son école de danse. Nadia, c'était une élève parmi toutes les autres, mais elle avait un truc en plus. Les gens pensent tout le temps que nous sommes en couple, et c'est pas le cas. Non. Ça a commencé genre prof-élève, et avec le temps, ben, c'est ma meilleure amie. On se voit quasiment tous les jours. On est assez complémentaires au niveau de nos caractères. Je suis très impulsif, elle est très calme. C'est la bonne balance. Ouais. Il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté. Non, pas pour l'instant. On verra. Notre danse, c'est pas uniquement de la danse, c'est un peu du théâtre. Ce qu'on aime faire, c'est raconter des histoires avec faire passer un message avec notre danse. On utilise des thèmes assez forts. On essaye que ça puisse faire réfléchir les gens sur certains sujets qu'on a choisis. On a eu un cas de violence conjugale dans notre entourage proche. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de nous exprimer là-dessus. C'est un sujet tabou, donc pour nous, en tant que danseurs, c'est un vrai challenge. On a un message qui est important pour nous. Cette pièce, c'est sur la violence conjugale. Ah, ok. Voilà. Okay. C'est pas hyper drôle. On va se marrer. Grosse ambiance. D'où le maquillage sur le visage de Nadia. C'est ça, oui. Nadia, Dakota, merci de votre présence. La scène merci. Est à vous. Merci à vous. C'est trop mignon. Figures. I gave you right to die and you gave me games. Love figures. I'm more crying cause you just won't change. Figures. I gave it all and you gave me shit. Love figures. I wish I could do exactly what you did. I wish I could hurt you back. Love, what would you do if you couldn't get me back? I'm the bad guy cause I can't learn to trust. Love figures. You say sorry once and you think it's enough. I grind a line up of girls and a line up of guys begging for me just to give them a try. Figures. I'm willing to stay cause I'm sick for you. Couldn't get me back.
Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh. Ok, Nadia et Dakota, je n'ai jamais vu quelqu'un, Nadia, qui à la première milliseconde de sa performance se transforme au niveau du visage comme ça. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, mademoiselle, de vos racines de cheveux aux orteils. Tout d'un coup, vous avez totalement changé. Par rebond, Dakota, vous avez pris ça, vous avez l'habitude de travailler avec elle. Et à partir de là, c'est ce qu'on appelle, nous, donner le vertige. C'est-à-dire que je pense qu'on l'a senti, on a été aspiré dans votre monde, on vous a suivi à chaque seconde. J'ai adoré retrouver dans votre histoire le fait de bâillonner cette femme, de la faire taire, pas seulement de la frapper. C'est merveilleux ce que l'on vient de voir. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super beau. Merci. Waouh. C'est du haut vol. On a beaucoup de chance de vous avoir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. C'est merveilleux, des gens de votre talent et qui expriment des choses si profondes. Moi, j'aime les histoires. Et vous avez raconté des choses sur ce genre de lien toxique qui unissent certains humains qui n'arrivent pas à se défaire de la violence des gens qui les entourent et la manière dont cette femme est prise, bien sûr, dans cette violence, mais n'arrive pas à s'éloigner. Et finalement, il y a de la haine, mais il y a aussi, on sent encore de l'amour dans ce lien. Et tous ces niveaux de lecture, vous les avez posés sans un mot. Juste avec la qualité de votre pensée, de votre intelligence, de vos mouvements. C'était merveilleux. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Je suis très d'accord. C'était incroyable. Tous les ingrédients dans le numéro étaient parfaits. Le choix de la chanson, avec les paroles, ça allait parfaitement avec ce que vous racontiez. Le jeu était incroyable. La danse était parfaite. Vraiment, la façon que vous avez eue émotionnellement, je trouve que c'était vraiment un numéro qu'on va se rappeler pour très, très longtemps. Bravo. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je pense que la violence conjugale, ça ne se raconte pas. Et pourtant, là, tout est dit. On a beaucoup parlé de toi, Nadia, mais je vais parler deux minutes de Dakota parce que je trouve ça important que ce soit un homme aussi qui transmette ce message. Tous les hommes ne sont pas cruels. Et c'est bien que tu montres aux hommes qu'il n'y a rien de plus fort que la douceur. Merci beaucoup. Je pense que le vote va être très, 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 très simple. Alors, simplement, oui. Grand oui, moi aussi. Insensible, un délicieux, un magnifique oui. Avec grand plaisir, un grand, grand oui. Merci beaucoup. Merci. Bravo, bravo, bravo. Avec quatre oui, on vous retrouve à l'étape prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Dakota et Nadia. Votre premier passage a marqué le jury et m'a marqué quand je l'ai découvert. Vous êtes un doux mélange de tellement de choses. Et voilà, j'ai trouvé que votre symbolique, votre danse envoyait quelque chose de très fort dont on a besoin en ce moment. J'ai qu'une seule hâte, c'est de vous dire qu'on vous aime déjà. Faites-vous plaisir. Et, Merci. Est-ce que ça va quand même? Ma chérie, pleure pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez nous dire sur ce que vous allez nous présenter pour cette demi-finale? Dans le dernier tableau, on a présenté la violence conjugale. C'était plus axé sur la violence physique. Et là, on veut faire un peu plus sur la violence psychologique, la manipulation. Détendez-vous les amis, hein, parce que ça va être génial. Parce que là, vous allez vivre un moment qui va marquer votre vie. Et tout, soyez tout souriant. Hein, je t'adore, toi, dis donc. J'espère que ça va. Ils sont chauds. Rien que le baiser. C'est trop mis. Ouais. Non, mais eux, ils se sont trouvés. Hein. Tu m'étonnes.
Dakota, Nadia, qu'est-ce que c'est beau ce qui se passe entre vous. Du moment où vous arrivez sur scène, la manière dont vous vous regardez l'un et l'autre, l'amour qu'il y a entre vous, la gentillesse, l'écoute dont vous faites preuve avant, après les numéros, vous aimez, mais à un point, mais c'est magique cet amour qu'il y a entre vous. C'est merveilleux. Et en dehors de ça, qu'est-ce que vous êtes intelligent, quoi. Ce que vous êtes capable de raconter en deux minutes, le lien qui vous unit, il y a une évidence absolue. Il y a bien sûr un bourreau, une victime dans la relation que vous décrivez. Mais en même temps, la manière dont Dakota, tu mets en valeur Nadia, on ne regarde que toi, Nadia. Il te met comme ça sur un piédestal, mais la manière dont toi, tu vis les choses et donc tu racontes aussi la souffrance de l'homme qui est pris dans cette violence, je trouve que c'est du génie, quoi. C'est vraiment... Vous êtes exceptionnel. Merci. Merci, merci. Pour moi, c'est très rare ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est très rare ce que vous nous apportez. C'est profond, ça nous touche. Et je pense qu'il n'y a personne qui reste indifférent après vous avoir vu. Et non seulement émotionnellement, on est touché, mais on voit que techniquement, vous êtes vraiment incroyable. Vous êtes à un autre niveau. Bravo à vous deux. Bravo. On manque de superlatifs. Moi, je suis bluffée par l'ingéniosité de vos mouvements, votre abécédaire, la manière dont vous nous parlez et bien évidemment dont vous nous transmettez ça. Qui fait la chorégraphie ? Voilà. C'est à un tel niveau, je me demande un petit peu ce que vous faites ici. Vous êtes plus précis encore que le passage précédent. Je ne savais pas comment vous pouviez faire mieux. Donc comme quoi, c'est toujours possible de faire mieux. Merci beaucoup. Bon. Moi, ce que je viens chercher dans cette émission, c'est une décharge émotionnelle très forte. Ce qui me stupéfait, c'est que c'est à l'image de ton genou, c'est-à-dire c'est totalement écorché. Vous vous faites mal pour nous donner des émotions et des sentiments que beaucoup de gens traversent. La première fois, vous avez délivré un message très fort sur la violence physique.
aujourd'hui, vous la délivrez sur la violence psychologique qui peut être parfois pire, parce que c'est une destruction totale, la destruction psychologique. Moi, ça me bouleverse, voilà, ça me bouleverse vraiment. Merci beaucoup. Mes camarades m'avaient prévenu que ça pouvait être violent d'être assis à la place où l'on est. Ça a été violent. Il y a quelque chose chez tous les deux, ce qu'on appelle le troisième mouvement, celui qu'on ne voit pas et celui qui vient nous chercher à l'intérieur. Je pense à Béjart, à Pina Bausch. Je pense vraiment que vous avez créé quelque chose de nouveau. Vous êtes protégés. Il y a vraiment quelque chose qui est bien au-delà de ce que vous êtes. Moi, j'aime bien que vous soyez le yin, le yang, le positif, le négatif. Mais d'où vous venez tous les deux? Parce que vous avez l'air étonné de ce qu'on vous dit, alors que nous, on se dit, est-ce qu'on est à la hauteur de ce qu'on a reçu? Je pense que vous allez bouleverser la vie d'hommes et de femmes qui se trouvent dans ces situations en se disant, mais même avec des mots, je ne l'aurais pas exprimé comme ils l'ont fait au travers des mouvements. Je voudrais aussi vous dire que moi, je suis complètement bouleversé, mais parce que vous êtes la démonstration que quand on est habité, quand on est fait pour quelque chose, c'est au-delà des formations, c'est au-delà de la technique, c'est juste un état. Et vous êtes fait pour être là. C'est pour ça que je vais vous emmener directement en finale. Particulièrement à remercier déjà le jury. On est totalement dépassé par ce qui nous arrive et je voulais remercier toutes les personnes. Oh, putain. Toutes les personnes qui ont eu le courage de nous écrire sur tous les réseaux sociaux, qui ont témoigné de leur vie. On n'est pas des porte-parole de la violence conjugale, pas du tout. C'est juste qu'on veut que les gens en parlent. Parlez-en, enfin faites quelque chose, on ne peut pas faire plus. On n'aurait jamais cru que ça prendrait cette ampleur et juste un grand merci à tous, je sais pas quoi dire. Dakota et Nadia, on vous retrouve directement en finale. Merci. Je crois qu'on a besoin d'un sérieux raccord make-up, les enfants. Moi, j'ai pas pleuré du tout, quoi. Attends, moi, je suis un homme, je suis un bonhomme. Moi, je pleure pas, moi. Moi aussi. Moi, c'est bon, ça va. C'est énorme. C'est-à-dire que vous avez mis... J'avais dit que la barre, elle était là-haut. Et vous l'avez mis encore plus. Merci pour cette humilité à tous les deux. Je vous souhaite... Ne me quitte pas, moi. Je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. Tu seras reine. Ne me quitte pas. 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 Je t'inventerai des mots insensés. Tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
qu'on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie rouge ou noir. Ne s'épouse-t-il pas? Ne me quitte pas. Dakota, Nadia, si cette émission existe, c'est pour des gens comme vous. Mais même plus que ça, c'est en fait cette saison, c'est peut-être juste pour vous. Vous avez déjà gagné en étant ici ce soir. Vous êtes vraiment l'exemple pur de la raison de l'existence, la raison de notre présence à nous quatre. C'est l'envie d'accompagner des artistes comme vous. On est là parce qu'on a envie de transmettre un petit peu de notre chance, de notre carrière, et de se dire, on va soutenir voilà, un dieu. Vous passez d'amateur, vous bossiez toute la journée. Le soir, vous allez répéter comme des malades. Vous avez tout donné et tout se sent ici. Votre carrière, c'est juste magnifique. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Vous êtes... Alors, je pense qu'on a atteint, un quotient émotionnel qui est très fort depuis le début avec vous. D'abord parce que vous parliez de votre amitié, vous êtes deux âmes sœurs. C'est surtout plus qu'une amitié, c'est spirituel ce qui vous lie. C'est tellement beau. J'ai appris par les techniciens, par toute notre équipe technique qu'on adore, que vous étiez mort de trac, que vous en étiez malade, à être malade physiquement. Je comprends le trac, comme Brel. Mais des gens comme vous, c'est pas possible d'être malade quand on exprime de choses magnifiques. Soyez confiants. Je vous ai dit que je rêvais de travailler avec vous. Je pense que des propositions, vous allez en avoir des milliers. Merci pour cette merveilleuse rencontre cette année. Quel message puissant que vous nous avez convoqué. Pour nous, je pense que c'est pas seulement de voir un numéro de danse pour un spectacle. Pour nous, vous nous avez communiqué un message. On a adoré ça. C'est rare de voir cette combinaison. Et cette saison, on l'a vu avec vous. On veut que votre histoire d'amour dans votre chorégraphie finisse, mais on veut que ce duo de danse dure pour toujours. Et vous êtes vraiment... Je sais que vous avez eu le trac, mais vraiment, vous aviez été à la hauteur de cette finale. Et on vous adore. Dakota, Nadia, dès le début, la première image de ce que nous venons de vivre, là, j'ai bien vu que c'était un esprit qui revenait, ne me quitte pas, qui avait comme un mort. D'accord, c'est ça, Dakota, que tu jouais, c'était le mort. C'était pas le couple, c'était celui qui s'en va définitivement et qui va retrouver les ombres à la fin. Je n'ai pas vu les images avant, je ne vous ai pas vu répéter. À la première seconde où vous êtes rentrée, Dakota, j'ai su que vous n'étiez que l'esprit, le désincarné. Et celle qui est incarnée, qui se déchire la vie pour vous garder. Enfin, c'est-à-dire que vous arrivez à nous faire rentrer dans une dimension pratiquement métaphysique avec de la danse. Je suis ravie que l'émission vous ait aussi sculpté d'aussi belles lumières ce soir. J'avais affaire à un clip vidéo, j'ai eu autant de photos dans mon œil. Vraiment, j'ai trouvé que vous étiez d'une ingéniosité encore. C'est ça qui est le plus bluffant chez vous, c'est que vous nous emmenez dans votre univers à vous. C'est, bien sûr que c'est sur le drame, pour la troisième fois. On aimerait vous voir peut-être sur des choses plus joyeuses, mais non, mais je m'en fous. Je sais que ce que vous avez fait ce soir, c'est encore meilleur que les deux autres fois. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ça. J'espère vraiment que les téléspectateurs vont massivement vous plébisciter en votant. Je sais que je n'ai pas le droit de le faire, mais je me permets de le faire. Voilà, je vais vous dire, votre niveau est exceptionnel.
Il porte le numéro.